Hello tout le monde, c'est Gamer et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale car il s'agit d'une vidéo où je vais construire quelque chose qui va nous servir pour le serveur. Donc là, voilà, je suis sur le serveur Minecraft, là le team qui va ouvrir sous peu, donc dans 2 jours, 3 jours. Donc là, je dois faire le Space War, donc enfin le Space War, en fait je dois faire les décorations du Space War autour parce que vous voyez, il y a des décorations un petit peu partout ici, là pour le TNT Run. Et c'est un petit peu représentatif de nos maps et du représentatif aussi du jeu. Donc du jeu, voir ce que c'est. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est le Space War, c'est un jeu où vous êtes, c'est comme un Quake sauf que vous êtes dans un minecart et vous devez tuer tout le monde et vous devez vous voler avec le minecart et tout ça. Et c'est assez sympa. Donc si vous voulez plus de renseignements par rapport à tous les jeux, par rapport à le serveur et au recrutement, modérateur, builder, développeur, tout ça, allez sur une autre vidéo, normalement que je vous mettrai dans la description ou juste en haut à droite si j'oublie pas. Si j'oublie, il sera dans la description sûr. Sûr et certain, il sera dans la description. Bon, tout de suite, on va se diriger vers les autres maps pour que je vous montre un petit peu ce que ça donne. Les maps, pour que je vous montre un petit peu, pour que vous ayez un petit peu une idée. Donc ça, c'est le système solaire. Donc fait par Azenox et un de nos builders. C'est le soleil, hein, vous inquiétez pas, c'est le soleil. C'est le soleil. On va prendre tous les blocs qui ont été utilisés pour faire le soleil. Ok, il y a que ces trois-là. Donc là, autour là-bas, vous avez la ceinture de météorites. Donc très connue. Et vous avez toutes les planètes. Et derrière, il y en a encore. Mais la map, elle est pas aussi grande que ça. Ah si, si, je crois qu'elle est vachement grande en fait, la map. Mais je crois qu'il y a une coupure quelque part. Je demanderai à Az, mais je crois qu'il y a une coupure. Ah, c'est Pluton, je dirais. Mais ouais, là, la planète Terre. Donc, on va s'en occuper tout de suite. Non, merde. Hub. Slash hub. Et on va aller. C'est ici. Ouais, c'est ici. On va aller faire ça. Par contre, ouais, j'ai pas les blocs. Comment c'est pas grave, je me souviens. Je me souviens des blocs. On va faire. D'abord, on va faire représentatif de la première map. Ouais, première map. Enfin, dégage si je trouve pas les blocs par contre. Là. Là. Et un bloc d'or là. Donc, on va pas faire un rond en l'air. Ou si, peut-être. Si, sans doute. Sans doute, on va peut-être faire un rond en l'air. Oui, là aussi. Slash F, bah voilà, battez-vous dans des batailles uniques, dans des minecarts comme des Quake. Quake plus Minecraft égale Minecart égale Space War. Donc, on va faire ça tout de suite. Donc, ce que je peux faire, c'est qu'on va faire. On va commencer d'abord en obsidienne. Comment? On va faire ça comme ça, voilà. Ouais, ça. Comme ça, on va voir si ça colle un petit peu. Non. D'accord, je sais pas. Voilà, c'est ça. Voilà. Ouais, c'est ça. Bon, après, il faut faire ça. Ce je vais faire là, ça, là, je vais tout faire en obsidienne. Donc là, on rajoute un étage comme ça. Hop. Donc là on peut dire que ça va être le soleil, bien sûr je vais tout changer après. Mais voilà. On peut faire aussi à côté la planète Terre. Et après je vais rajouter une petite tâche de ma part. Vous verrez. Ça va rendre très bien. Je vais mettre des armor stands. Je vais voir, normalement on peut mettre des armor stands dans les main cartes si je me cours pas. Si je me trompe pas, on peut faire ça. Voilà. Ouais, on va le faire le premier truc déjà. Voilà. Faut déjà mettre des couleurs sur la terre. C'est la terre ça. Voilà. Donc après ça, le soleil bien sûr sera changé.
peut dire que la... Que la terre est incrustée dans le sol. Ça avance un petit peu. Voilà. Voilà. Vous voyez? Ah, ça tue. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais vous laisser. Enfin, je peux vous laisser, mais je fais une petite ellipse. Je vais m'occuper de tout ça. De finir de faire ce côté-là. Je vous montre après ce que ça donne. Et puis voilà, après on fera ce côté-là. Sûrement, je ferai tout seul parce qu'il faut encore que je demande à Az pour la map qu'on va faire. Normalement, j'ai peut-être déjà une idée. Mais voilà, donc je fais ça. On se retrouve tout de suite. A tout. Eh bien, Rose, c'est bon, j'ai terminé l'endroit. Juste une petite précision avant de vous en parler, avant de tout vous montrer. C'est pour parler un petit peu de mon micro parce qu'il a vraiment changé. C'est parce que le mien que j'avais avant, il a flanché. Enfin, il est cassé, il ne charge plus. Donc, c'est pour ça que j'ai pris un micro de rechange. Mais, ne vous inquiétez pas, c'est bientôt Noël. Demain, enfin, après, dans 2 jours, c'est bientôt Noël. Donc, vous inquiétez pas, il y aura un nouveau micro. Donc, si vous voulez savoir, ça sera sûrement le. Comment il s'appelle? Ah, j'ai oublié son nom. C'est un Razer. J'ai oublié son nom. Mais c'est pas grave. Vous aurez un nouveau micro. Encore une très bonne qualité comme celui-là d'avant. Et voilà. Aussi, parlant du manque de vidéos, c'est surtout parce qu'en fait, on est vraiment débordé avec le serveur. Tout tester. De voir un petit peu pour les maps. Et pour faire ça aussi. Ça prend du temps. Donc, voilà. Là. Alors là, c'est pas normal. Il y a un zombie. C'est pas normal. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il fait quoi? C'est un villageois normal, ça? Ah non, c'était pas bien ici. Bah merde. C'est pas normal, ça? Ok, très bien. Bah écoute, ça sert à rien de le laisser. Ça sert à rien de le laisser du tout. Donc voilà. Voilà, alors je vais vous montrer ici. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai fait un petit peu par rapport à ce que c'est le Skywars. Le Space War, le Skywars. Donc vous avez la Lune. Enfin la Lune. Le Soleil. Vous avez la Terre. Et vous avez moi dans un minecart avec la ouf du Quake. Enfin là, du Space War. Mais qui se rapporte beaucoup au Quake. Je sais pas encore ce que je peux faire de plus sur cette parcelle là, mais je pense que après ça va faire trop lourd, donc je pense que ça on va laisser. Et ici, je pense que je les demanderai à Xenox parce que là j'ai vraiment pas d'idée. Enfin, j'avais une idée, mais bon, je pense que ça va être super dur de la faire. Mais bon, on va tester. Je ferai ça sûrement pas en vidéo, mais vous verrez bien. De toute façon, l'ouverture du serveur, j'espère que vous serez nombreux parce que moi ça fait extrêmement plaisir d'ouvrir ce serveur. Ça fait plus de. Ça fait plus d'un an qu'on y est, donc voilà, c'est là vu qu'on a déjà tout, on a la machine qui tourne super bien. Et on a tous les jeux, tous les plugins, on a tout. Bien sûr, les candidatures de modérateurs sont ouvertes sur le site qui est encore en maintenance, mais quand le site sera ouvert, vous pourrez poster vos candidatures. Mais là, pour l'instant, vous pouvez les poster sur contactblueteam@gmail.com, je crois que c'est ça, normalement, vous l'avez dans la description, pour poster vos candidatures en tant que modérateur. On voit, on est vraiment très 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 comment on dit, comment je peux dire ça, très strict par rapport au rôle de modérateur, par rapport à vos passages sur le serveur. Si vous restez, si vous restez une fois toute la semaine, ça sert à rien d'être modérateur. Donc voilà. Vous pouvez aussi encore poster pour être builder si vous avez des talents de builder, ou pour être développeur. On cherche encore des développeurs, donc. Poster vos candidatures, c'est avec plaisir qu'ils seront traités et sûrement acceptés. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, c'était Rodimer. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, je ferai beaucoup plus de vidéos en ce moment, surtout que là c'est les vacances et le serveur est approximativement terminé. Il y aura beaucoup de vidéos sur le serveur, mais il y aura sûrement un live aussi. Bon, ça je dis ça, mais peut-être pas parce que j'ai un petit peu de problème avec la connexion, la qualité, tout ça. C'est pas très beau à regarder, donc ça sert à rien que je fasse un live si c'est moi j'ai regardé, mais voilà. Ah oui aussi, il y a eu des questions aussi par rapport au Survival UHC. Qu'est-ce que c'était? C'était comme Epic Cube et que vous pourrez rejoindre un serveur pour faire de l'UHC comme un KTP ou tout ça. Bah non, un Survival UHC en fait c'est... Attendez, rien de mieux de rentrer dedans pour vous le montrer.
Survival Shade, c'est ici. Voilà, c'est comme PvP faction. Non, c'est pas comme un PvP faction, mais ça reste comme une survie tout à fait normale quand vous lancez votre mode solo sur Minecraft. Sauf que là, vos corps ne se régènent pas. Vous avez une max, une map 5000 par 5000. Vous pouvez vous installer où vous voulez, mais je pense, enfin, surtout, ça va être, ça va pas être celui-là qui fait la meilleure base. Il y aura pas de PvP faction, il y aura pas tout ça. Mais le but, enfin, c'est juste de faire votre aventure, faire des grosses machines à faire si vous voulez, des machines à gold. Vous aurez accès au Nether, pas avec les. Oh non! Oh non, c'est bête ça! Pas avec le portail. Oh pire, je peux l'enlever, celui du milieu. Pas avec le portail, mais avec le warp. Avec le warp, vous pourrez y accéder très facilement. Ah non, c'est une map 2000 par 2000. Ah ouais, bah voilà, en fait vous avez tout. Sachwarp Nether, il est pas, je sais pas pourquoi il a marqué en anglais. Alors essayez de survivre à ce monde hostile. Seuls les Golden Apple, les potions de Elf et les beacons peuvent restaurer votre vie. Donc bien sûr vous pouvez faire des Wither qui vous aurez des beacons. Ça c'est sympa, vous pourrez passer un bon moment. C'est pas non plus stressant de faire ça. Et moi ce serait avec plaisir que je pourrais vous rejoindre. Si jamais vous me proposez de rejoindre avec vous votre survie, il n'y aura aucun souci pour ma part de jouer avec vous. Au contraire, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc voilà, StellarGamer, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à venir sur notre serveur quand il sera ouvert. On fera bien sûr une vidéo d'ouverture. À la base, je voulais faire un live, mais je sais pas encore, je vais réfléchir. Je vous dis ça. Et puis à bientôt. Et merci d'être là. Ciao, ciao les gens.